Là, on va rencontrer Frédéric Le Gall, qui est directeur commercial de la société La Porte. Alors, beaucoup connaissent La Porte, mais on va lui laisser le soin de nous présenter la société. Frédéric, c'est à vous. Bonjour. Donc la société La Porte, c'est une société qui existe depuis 1927. Nous sommes bientôt centenaires, hein, puisque d'ici 3 ans, nous aurons 100 ans. Donc c'est évidemment une société familiale à échelle internationale. On est présent, évidemment, très présent en France, mais dans le monde entier, puisqu'on a différents sites un petit peu répartis dans le monde de partout. On est aujourd'hui le plus gros fabricant européen de cibles de ball trap, puisqu'on a donc une usine qui se trouve dans l'Oise. Et on a également une usine de fabrique de lanceurs, qui se trouve donc dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, proche d'Antibes. Et voilà, donc c'est comme je vous disais une société qui innove sans cesse, hein, puisqu'on ne s'est pas endormi sur nos lauriers et on trouve systématiquement de nouvelles opportunités que nous saisissons. Tant sur la partie plateau, puisqu'on développe encore de nouveaux plateaux avec des nouvelles matières 100% écologiques. On travaille aussi, on a encore travaillé récemment sur le design de nos plateaux pour encore améliorer leur structure et leur cassabilité. Et donc pour ce qui est des machines, on développe aujourd'hui beaucoup de machines liées à la chasse simulée, des machines qui sont intégralement pilotables. Et on a une gamme de machines assez étendue, puisqu'on en a aussi bien pour les particuliers que pour les clubs évidemment de ball trap, mais également pour les professionnels qui envisagent de, par exemple, diversifier sur les domaines de chasse leurs offres et qui font évidemment de la chasse, mais aussi du tir au plateau et notamment, comme je le disais précédemment, de la battue simulée. Merci beaucoup pour ces explications et on vous souhaite une bonne après-midi et un très bon salon. Merci beaucoup, bravo, c'est bien parti pour. On a la chance quand même d'être sur une très belle première édition de Terre de Chasse et je pense déjà que nous reviendrons l'année prochaine. Super, merci. Merci à vous. Au revoir.